Voilà, ça tourne effectivement. On est reparti. Valérie, Valala et moi-même pour une promenade. On va faire un apéro en mer, en fait. Voilà, un apéro déjeunatoire en mer. Donc, on ne va pas sortir toutes les voies. Là, on va y aller mollo, histoire d'avoir un certain confort. Et voilà, nous partons. Et t'as du fond là-bas, c'est bon, tu cales à combien, quoi? 1,85. Salut Aligan! Nous, on va le faire un peu plus loin. Ah ouais. Ouais, le pique-nique. Ouais, ouais. Oh, ça va alors. Comment? Non, non, on va où il veut aller et puis on. Ah, c'est la chef du camp. Non, mais il n'y a pas de chef. Non, 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 nous, il n'y a pas de chef, pas de hiérarchie, j'ai horreur de ça. Non, non, on a ce qu'il faut, tout va bien. Mais si vous sortez, non, 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 non. Si vous sortez, on se verra peut-être après. Ciao. Merci. Ciao. Sorti partiellement la GV, la grand voile, pour être tranquille. On n'a pas envie que le bateau penche de trop. Parce qu'on va sortir à la table. Exactement. On a déjà même un peu de retard. Donc. Ça va, on fait un petit 4,5. Voilà. Allez, le petit apéro déjeunatoire et pronto. Reçu aux petits oignons chez Vasimolo. Franchement, c'est la classe. Le bateau est sous pilote. On a une toute petite toile. On avance quand même à 4 nœuds et demi. Et on va en profiter pour faire l'apéro. Et après, si on a envie, on sortira un peu plus. Ouais, on sortira un peu les watts. Allez, à pelouche. Ouh. Et tout va bien à bord. Ou presque. Littéralement déposé par le passage avec des belles voiles, tout ce qui va bien. Et non, il mange pas des fraises. Et il y va. Ben nous, on est aux fraises. Voilà, pendant que nous, on est au dessert, il y en a un là-bas qui lutte. Respect, ça, c'est des vrais. Bon, en même temps, on n'est pas vraiment des faux non plus. Hein. Ça, c'est des vrais navigateurs. Il marche, hein. Il nous prend en cap et en vitesse. Bon, nous, on n'est pas trop réglé parce qu'on est encore au repas. Ah, il fait du cap, hein. Ouais, ouais, il fait bien du cap, le gars. Que j'ai en face de moi. Non mais attends, il reste encore un peu de fraises, hein. Je vais pas les manger tout seul, hein. Cette fois-ci, on a tout sorti, tout est dehors. Le bateau a pris de la vitesse. Alors, barreur, barreuse, à quelle vitesse allons-nous? On est à 6,5 là. Nickel, parfait. On sera rentré pour le Dijon. Non, l'apéro du soir.
répète, je pense. On fait un petit 7 nœuds. Parfait. Tout va bien. Poussillage derrière. Qui atteste de notre vitesse. Et bien évidemment, ce drapeau alsacien acheté à Saverne qui me suit partout où je vais. Allez, à pelouche! Je lutte contre la pesanteur pour me lever. Ça va bien. Allez, ce sont les dernières images sur ce bord. On va s'apprêter à virer pour rentrer tout doucement sur le cap. On avance pas trop mal. Ah oui, 7-6 en effet, oui, c'est pas mal. Il va falloir réduire après. Ouais, ben on réduira. Ouais. Quand on va être de l'autre, sur l'autre bord, on va être trop poilé. Ben on réduira avant. Allez, un virement de bord. Clac. Ça va virer, Gérard? Attends, je vais enlever le... Ouais. Et j'en vois. Allez, c'est parti, mon kiki. Manœuvre digne des régates. Ouais, t'as raison. Ouais. Elle a récompensé. C'est pas grave. C'est trop bordé, non? Non, non, on va essayer de faire ça du frais un peu, voir ce que ça donne. Alors attends, je vais le reprendre là-bas. Ça te va, là? Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Quelques petits embruns. Le soleil s'est un peu caché, voilé. Et on fait route. Maintenant, on est tribord Amur. On fait donc route sur Port-le-Cat. Toujours un joli sillage. Et un drapeau alsacien qui est en train de s'enrouler autour de son petit mât. Mais il est toujours là. C'est l'essentiel. Le vent a fortement molli et il s'est orienté plus vers l'arrière. Du coup, nous avons pris la décision de rentrer la GV, la grand voile, et de ne rentrer que sous Génois. Et malgré les apparences, on avance quand même à 4 nœuds et demi. Voilà. Donc, c'est à un train de sénateurs que nous nous dirigeons. J'ai l'impression que nous nous dirigeons vers Port-le-Cat. Et bien évidemment, tout va bien à bord. Ouais, ouais, non, il pleut. Ce ne sont pas des embruns. Hein. Le petit café sur Vasimolo. En plus, avec. Ce sont des Alsaciens. Des Alsaciens. Voilà. Ça reste dans le thème bateau alsacien, en fait. Ça a été acheté à Strasbourg. Et je les ai emmenés avec moi. Emmener les bons souvenirs. Ah.
Alors, toujours sous Génois seul, mais cette fois-ci, il n'y a vraiment plus de vent. On avance à rien du tout. Voilà, on voit qu'il ne fait pas beau, hein, au fond, vers le 4. C'est pas la joie, donc on n'est pas pressé de rentrer. On laisse filer Vasimolo à son rythme. Il rentrera quand bon lui semblera. Plus que nous. Oui, tu disais, pardon. Course de lenteur entre les trois bateaux qui sont quasiment scotchés comme nous. Ouais, on en voit un là-bas au fond. Ouais, si on doit le voir avec la caméra, il arbore un joli spi. Et c'est pas pour autant qu'il va plus vite que nous. Voilà. Moralité, moins on en a, mieux on se porte. C'est l'heure du petit muscat de Rivesaltes. Allez, chin-chin. À la tienne, à la vôtre. Ciao. Pétole, à quelques milles de Port-le-Cat, il n'y a plus rien. Plus rien du tout. Voilà. La voile bat légèrement. Il n'y a plus rien. La barreuse est au repos. Chômage technique. Ouais. Le drapeau alsacien est en berne, ou presque. Et puis, attention à ne pas tomber. Aïe, 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 on n'a plus 20 ans. C'est moi qui vous le dis. Et puis là, on voit que sur Port-la-Nouvelle, bah, il fait pas beau du tout. On entend même un orage gronder par intermittence. Et voilà, nous, on doit aller voilà, sur la gauche, là-bas. Autant dire, on n'est pas encore arrivé. On n'a pas plus envie que ça de mettre le moteur. Donc, ben, on va patienter. Voilà, à pelouche et tout va bien à bord. Sniff, c'est au moteur que ça se termine. Plus de vent, on a tout plié. On a quand même tenu pendant une heure et demie à attendre la risée salvatrice qui n'est jamais venue. Et ben on a mis la risée mécanique, la risée Volvo. Voilà. Allez, c'est très probablement terminé pour la vidéo du jour. Au revoir. Fausse alerte les copains, ça y est, c'est reparti, punaise. C'est parti comme en 14. Tac. Toute voile haute, la barreuse qui a quitté son poste de pilotage pour filmer. Et ben du coup, pour l'instant, l'épisode moteur aura duré quoi, 15 minutes, 20 minutes maximum. Excellent. Allez, ça navigue. Avec une petite gifle, c'est impressionnante quand même. Mais bon, ça rend pas hein, sur le film, mais on s'en fout. En tout cas, le bateau, à combien on file? Allez, on va regarder ça de suite. 6 nœuds 7, c'est quand même pas rien. 6 nœuds 7. La barreuse a revêtu une pelisse car le vent réchit. Ouais. On supporte. Ah ouais, alors là il fait plus chaud. Hein. Mais c'est bon, bon, bon. Là, on se rapproche vraiment de l'arrivée.
La digue est devant nous. Il y aura encore un virement de bord à faire. Merde, j'ai failli tomber. Et ce sera terminé pour aujourd'hui. Voilà, on aura mis le moteur, quoi, une vingtaine de minutes maximum. Ça, c'est bon. Automatique, elle s'en sert peu. Parfait pour le frigo.